là, j'ai un sentiment de joie, de satisfaction et de réconfort. Dieu qui nous a permis de s'acquitter de certaines obligations. La grande fête de Pascal. Nous avons trouvé donc une ouverture sanitaire, malgré tout, et accepter que le musulman puisse prier tranquillement. Et le sermon était consacré sur le respect des mesures de prière. L'injustice d'un pour l'autre et de renforcer l'unité nationale et faire en sorte que les Guinéens se voient en tant que des frères et des sœurs. Cette grande fête marque aussi, c'est un facteur d'unité entre les villes musulmans. Les musulmans à travers le monde aujourd'hui et la Guinée sont comme des frères du lait. Donc ils doivent renforcer davantage leur lien de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble. Et utiliser même fait de l'islam pour combattre tout comportement à nature qui nous divise. L'être centré